Elle s'appelait Yvette Lundy, une grande figure de la résistance. Elle est morte hier. Ancienne déportée, elle était engagée depuis 1959 auprès des jeunes générations pour témoigner de l'horreur du système concentrationnaire nazi. Elle a été déportée à Ravensbrück. Elle a ensuite témoigné des horreurs qu'elle a vécues pour sensibiliser les jeunes générations. Elle est morte hier à l'âge de 103 ans. À Épernay. Sur la toile, on l'appelle la grande dame d'Épernay. On lui rend beaucoup hommage, évidemment, des anonymes, mais aussi des officiels comme Arnaud Robinet, le maire de Reims, ou encore les députés Éric Girardin, qui dit très bien « Grande dame de la résistance qui a su perpétrer tout au long de sa vie le devoir de mémoire auprès des jeunes. » Un sourire, une énergie incroyable. On la voyait en image à la télévision. Lumineuse. Ah, lumineuse, effectivement. Une aura lumineuse et une grande, grande action. Effectivement, on partage du savoir. Merci beaucoup, Julia. Merci, Olivia.